un coup de tonnerre pour le département de la Kadéï. Très tôt ce matin du 21 janvier 2023, la ville de Batouri se réveille avec les larmes de tristesse. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Gabriel Dodon-Doké, n'est plus. Il vient de succomber à un malaise causant une crise cardiaque. Dodo, c'est celui-là, le rassembleur de la famille. C'est le pionnier de ma grande famille, Botakoyo. Sa disparition aujourd'hui nous plonge, je ne sais quel mot je dois prononcer, mais une déception générale. Ce départ précoce pour nous, je ne sais plus à quel sort nous sommes voués maintenant. La nouvelle de son décès se répand comme une traînée de poudre. Les autorités traditionnelles habituées à le côtoyer n'en reviennent pratiquement pas. Vraiment, c'est une surprise. On ne sait même pas exactement ce qui avait fait vraiment en sorte que le ministre décède. Le problème de sa maladie ou bien l'accident, rien, on n'a même pas appris quelque chose. Mais brusquement, on nous annonce qu'il était décédé. Bon, ça nous a beaucoup surpris. Les élus locaux, quant à eux, y croient à peine. Eux qui étaient avec lui il y a quelques jours sont plongés dans l'émoi. Nous sommes directement impactés par ce qui se passe. Monsieur le ministre, c'est mon frère, c'est mon camarade, c'est mon compagnon de lutte. De très longue date, depuis l'enfance jusqu'à l'université, jusqu'à l'École nationale d'administration et de magistrature. Donc je suis vraiment touché par ce qui est en train de se passer. Et c'est une très grosse perte pour notre localité. La Kadéï est en deuil, nous sommes en deuil. Et la Kadéï est sous le choc. La ville de Batouri est également sous le choc. Pour le département de la Kadéï, surtout à l'approche des élections sénatoriales. Informé de la situation, le préfet du département de la Kadéï, Djadaï Yakouba, sur instruction du gouverneur de la région de l'Est, a mis la résidence du ministre Gabriel Dodon-Doké sous scellé et surveillé par les forces de maintien de l'ordre.